bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons encore notre Dieu qui nous permet que nous puissions commencer ses réveillés ce matin à très bonne santé. Notre Dieu est toujours fidèle, il opère toujours des grands miracles. Il est le seul véritable Dieu. Tous les jours, nous ne cesserons pas de l'adorer. Nous ne cesserons pas tant que nous vivrons. Nous devons toujours élever, glorifier, donner gloire à son nom parce qu'il est fidèle. Nous le bénissons pour ce programme de quarantaine qu'il nous a donné pendant ce temps afin que chacun de nous puisse avoir du repos. Et je crois fermement que tu auras ton repos. Je bénis mes bien-aimés qui sont en Europe, en Afrique, partout où vous êtes en train de nous suivre maintenant. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Je bénis nos bien-aimés qui sont en Asie, en Océanie, au nom puissant de Jésus. Que soyez bénis partout où vous nous suivez. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Je bénis le Seigneur pour nos bien-aimés qui sont en Amérique en général, Amérique du Sud, Amérique centrale, Amérique du Nord, spécialement nos bien-aimés qui sont au Canada. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu est fidèle, il est puissant, il va vous bénir encore davantage au nom puissant de Jésus. J'ai béni nos bien-aimés dans les 50 États des États-Unis, partout où vous nous suivez. Ce matin, soyez bénis au nom puissant de Jésus. J'ai béni New York, notre quartier général de l'Amérique, pour l'uniquer la seule gloire du nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, les frères et sœurs de celle de New York. Nous bénissons le Seigneur pour les évangélistes de Jésus-Christ, vous qui le Seigneur a choisi pour propager cette œuvre partout. Que l'Éternel vous bénisse et ceux qui soutiennent d'une manière ou d'une autre ce ministère. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel bénisse ma très chère épouse, le pilier de notre maison. Que le Seigneur la bénisse au nom puissant de Jésus. Bénis toute notre maison et me bénisse pour l'indiquer la seule gloire des noms de Jésus. Nous voulons prier. Éternel des armées, nous bénissons et nous sanctifions ton nom, car ton nom doit être sanctifié tous les jours pour tout ce que tu fais. Toi, le Créateur est créé. Toi, le resté troisième jour. Sois béni. L'étoile brillante du matin, c'est toi, Père. Nous saluons ta présence au milieu de nous. Nous saluons ta présence, car là où deux, trois sont réunis à ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous saluons ta présence, Père. Toi qui as décidé de nous garder, de nous protéger, de nous accorder encore la vie malgré ce que nous sommes. Nous te bénissons, Seigneur, pour la grâce, pour la faveur de commencer avec toi le 16e jour du mois de juillet 2020. Tu es digne de gloire. Nous sanctifions ton nom pour cette journée. Nous élevons ton nom. Nous bénissons ton nom. Les lions de la tribu de Judas, les soleils levant, l'unique et le véritable Dieu, l'unique et le véritable Seigneur. Tu es digne de gloire. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'action de grâce. Tu es le seul et le véritable Dieu. Il n'y a pas un Dieu comme toi. Il n'y aura jamais un Dieu comme toi. Oh Dieu de tout puissant, Dieu des miracles, Dieu vivant, l'unique Dieu, le véritable Dieu, le véritable Seigneur, le véritable Roi, le véritable Dieu tout puissant. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance et la magnificence par l'autorité que tu nous as conférée. Quelle que soit, Seigneur, la manière dont l'ennemi s'est glissé ce matin pour nous empêcher les autres de suivre la prière ou nous bloquer, nous renversons tous ces plans, tout ce que l'Éternel, les maladies et tout ce qu'il a amené contre nous, nous les renversons, nous les détruisons, nous les déprogrammons. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que toi, tu es Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu es Seigneur. Merci l'homme de Galilée. Cher Saint-Esprit de Dieu, prends-nous à charge l'esprit de vérité, l'esprit de puissance, l'esprit de miracle, l'esprit de révélation. Viens dans notre vie. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien. Mais avec toi, nous pouvons tout. Esprit de lumière, esprit de sagesse, l'esprit de Christ, révèle-nous les choses profondes et cachées. Rappelle-nous les péchés. Rappelle-nous encore, Seigneur, les malédictions qui sont
dans notre vie pour limiter la seule gloire de ton nom. Sois béni, sois glorifié au nom puissant de Jésus. Que ton sang nous couvre, que ton sang nous rende invisible, invulnérable, invincible à tous les attaques de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, que nous avons ainsi prié avec une intention de grâce. Amen. Merci, bien-aimé, nous le Seigneur, notre Dieu est fidèle. Il mérite toujours d'être élevé, d'être adoré. Le seul Dieu vivant, le Dieu qui nous garde, le Dieu qui fait de très grandes choses, il nous défend. Il est notre Dieu, il est notre Seigneur qui nous garde. Il y a d'autres dieux qui opèrent des miracles. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, non, le Seigneur, nous allons lire la parole de Dieu dans les livres dans les livres de psaumes toujours, le psaume 111. Louez l'Éternel de tout mon cœur dans les réunions des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges, et l'Éternel miséricordieux et compatissant. Pourquoi, mes bien-aimés, dans le Seigneur, nous allons louer l'Éternel de tout notre cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Dans les œuvres de l'Éternel sont grandes. Le fait qu'il nous a revus ce matin, là, laisse s'occuper de nous. Même si tu n'as pas même pas prié, mais te garde, mes bien-aimés. Notre Dieu est fidèle. Il est le Dieu d'amour. Dieu a montré son amour. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà pourquoi, bien-aimé, nom du Seigneur, nous allons adorer et remercier le Seigneur, louer le nom de l'Éternel pour la vie, pour la protection, pour les combats visibles et invisibles qu'il a menés toute la nuit contre nos ennemis, et nous a donné la victoire au nom puissant de Jésus. Éternel des armées, nous bénissons ton nom, nous louons ton nom. Tes œuvres sont manifestes. Le fait que nous sommes debout, ce sont tes œuvres. Père éternel, mon Dieu, c'est toi qui as décidé, toi-même, Père, que ce matin, que chacun de nous soit en vie. Voilà pourquoi nous te remercions pour nous avoir gardés, parce que tu as voulu, parce que tu sais que ceux qui sont dans le séjour des morts ne peuvent pas t'adorer. Et comme tu as besoin encore de notre adoration, Seigneur éternel, mon Dieu, tu nous as laissé en vie. Nous te bénissons pour les combats visibles et invisibles que tu as livrés contre nous, contre nos ennemis. Et tu nous as donné la victoire. Le combat que l'ennemi a combattu contre, Seigneur, nos époux, nos épouses, de nos frères et sœurs dans le Seigneur. Mais tu nous as donné la victoire. Reçois la gloire. Reçois l'honneur, reçois la puissance et la magnificence, car d'éternité en éternité, tu es Dieu, tu restes toujours l'unique Dieu, le véritable Dieu, le chef de l'armée de l'Éternel, l'étoile brillante du matin. Nous saluons ta présence, nous saluons ta présence au milieu de nous, nous te saluons Seigneur, nous t'acclamons le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, pour tout ce que tu as fait, pour Seigneur éternel, les révélations que tu as données, car tu donnes le sceau de tes instructions. Pendant que nous dormons, tu nous as transportés, même dans les ténèbres, pour nous faire voir tout ce qui est les ténèbres, pour nous faire voir les identités de notre vie, pour nous faire voir, Seigneur éternel, les condamnations, pour nous faire voir, Seigneur, les malédictions qui pèsent sur nous, les autels de la famille qui crient jour et nuit contre nous, Père. Tu nous as transportés et tu nous as révélés. Voilà pourquoi nous te bénissons, nous te rendons de mutation des grâces. Tu es digne de gloire, tu es digne d'adoration, le Dieu de notre délivrance, le Dieu de miracles, le Dieu des solutions, le Dieu de victoire. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la magnificence, car toi tu es Seigneur, tu es Dieu. Tu restes toujours l'unique Dieu. Merci Seigneur éternel. Merci l'homme de Galilée. Merci l'homme compassé de douleur. Merci l'unique Dieu. Le véritable Dieu. Le véritable Seigneur. Le véritable roi. Que toute l'honneur, la gloire, la magnificence, l'élévation, les actions de grâce, l'honneur reviennent qu'à toi et à toi seul. Toi le Dieu vivant. Toi
Toi le Dieu puissant, toi le comparable Dieu, toi le sonable Dieu, toi le véritable Dieu, le Dieu vivant, l'unique Dieu, l'unique Seigneur, merci Père éternel, gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur éternel, merci l'homme de Galilée, l'homme de compassion et de douleur, notre Dieu, notre Seigneur, tu es digne. Mes bien-aimés, nous allons encore revenir au devant du trône de grâce. Nous avons lire la parole de Dieu dans le livre de Psaume 51, le verset 7. Psaume 51, le verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes nés dans l'iniquité et nos parents nous ont conçus dans le péché. La racine de péché a été transférée. A été transféré en nous par les liens de sang. Nous portons le sang d'Antichrist, le sang de la sorcellerie, le sang de la méchanceté, le sang des ténèbres. Mais bien aimé, non, le Seigneur. Voilà pourquoi David a reconnu que tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il a été conçu dans le péché. Il est né dans l'iniquité et sa mère l'a conçu dans le péché. Mais bien aimé, non, le Seigneur, cette nuit, nous avons eu l'iniquité, nous avons eu le péché, nous avons été souillés peut-être d'une manière ou d'une autre, ça le savoir. Peut-être le Seigneur nous a révélé à cause de ce que nous faisons dans le monde des ténèbres qui était caché, où tout est vide dans les milliers de ténèbres de la sorcellerie, où nous avons été souillés dans toute forme de sorcellerie. Nous allons, mes bien-aimés, non le Seigneur, demander pardon à Dieu. Et nous allons compléter par Ésaïe chapitre 14. Ésaïe 14, verset 21. Ésaïe 14, la Bible déclare, Ésaïe 14, verset 21. Préparez le massacre de fils à cause de l'iniquité de leur père, qui ne se relève pas pour conquérir la terre et remplir le monde d'ennemis. Mes bien-aimés, à cause du péché de nos parents, des arrière-grands-parents, c'est ce qui nous a précédé. La Bible déclare, à cause de nos péchés que nous avons transmis aux nos enfants, la Bible dit, préparez le massacre de fils à cause de l'iniquité de leur père, qui ne se relève pas pour conquérir la terre. On ne peut pas conquérir la terre. On est toujours dans la malédiction à cause des péchés de nos parents. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous allons nous associer et le péché de nos parents et nos propres péchés. Et nous allons nous demander la miséricorde de Dieu. Ce matin, la Bible déclare, il renouvelle ses compassions chaque matin. Il renouvelle ses compassions. Prions le Seigneur, éternel des armées. Je viens, Seigneur, éternel. Oh Dieu de toute gloire. On avait déjà préparé notre massacre à cause des péchés. Voilà pourquoi je ne peux pas conquérir la terre. Voilà pourquoi tout ce que je fais, c'est d'éternel mon Dieu. Je suis toujours. Pardonne le Seigneur éternel. Pardonne la sorcellerie. Pardonne la sorcellerie. Seigneur, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché, dans le mal. Seigneur éternel mon Dieu. Dieu de toute gloire. Les autres sont nés, les enfants de la rue. Seigneur, les parents ne sont même pas nés. Seigneur éternel mon Dieu, ne t'es pas marié. Jésus, pardonne-nous. Nous sommes nés dans l'iniquité. Nous sommes les enfants qu'on a cherchés dans les maisons des féticheurs, dans les maisons des marabouts. Seigneur éternel, mon Dieu, des paras sirènes, des paras sorciers, des paras agents ninja, des paras servis de ténèbres, qui ont signé le pacte de toujours. Et nous avons hérité ce pacte. Seigneur, ayez pitié de nous ce matin. Et pitié de nous, l'homme de Galilée. Nous venons à toi, Seigneur, implorer ta miséricorde. Nous sommes nés dans l'iniquité. Et nous vivons dans l'iniquité. Tous les jours, nous sommes dans les ténèbres. Hâte de manger la nuit. Hâte d'avoir le sexe la nuit. Hâte de Seigneur éternel, mon Dieu, de se promener la nuit. Toujours les mauvais rêves. Toujours les cauchemars. Les rêves de ténèbres. Les rêves du diable. À toi, Seigneur éternel. Cette nuit encore, nous avons été d'une manière ou d'une autre en communion avec des esprits, avec nos enfants, avec nos
nos épouses. Seigneur, pardonne-nous. Avec les frères et sœurs dans le Seigneur. Seigneur, pardonne au Dieu. Et pitié de nous. Nous avons péché contre toi. Nous avons été rebelles. Seigneur, éternel mon Dieu. Pardonne Jésus. Toutes les alliances. Seigneur, aussi avec le diable. Toutes les alliances. Seigneur, éternel mon Dieu. L'iniquité de nos parents. Qui a fait aujourd'hui que nous sommes massacrés dans notre vie. On est massacrés. La santé massacrée. Les affaires massacrées. Les projets massacrés. Malédiction sur malédiction. Nous ne pouvons pas conquérir la terre. Seigneur, éternel mon Dieu. Voilà pourquoi nous sommes dans notre quarantaine. Seigneur, éternel, pardonne-nous Jésus. Et pitié de nous. Nous allons demander encore quoi? Nous allons demander encore quoi, Seigneur? Avec tous ces les péchés, nous voulons nous repentir. Seigneur, éternel mon Dieu. Pardonne-nous Jésus. Pardonne, Seigneur, éternel. Pardonne l'homme éternel. Pardonne l'homme de compassion et de douleur. Seigneur éternel, mon Dieu, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Père. Aie pitié de nous, l'homme de Galilée. L'homme de compassion et de douleur. Jésus-Christ, Césarée. Pardonne, Seigneur éternel. Pardonne l'homme de Galilée. Pardonne l'homme de compassion et de douleur. Jésus, aie pitié de nous. Pardonne-nous, Seigneur. Mais bien-aimés, le caractère, c'est la répatente. On ne demande pas beaucoup. On ne demande pas Jésus, bénis-moi. On doit de tout répentir. Parce que la malédiction est là. La malédiction vient du péché, du mal, des choses que nos parents y ont fait. Voilà pourquoi nous plairons toujours au devant du trône de grâce. Seigneur, pitié, Jésus, pitié. L'homme est Galiléen, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Nous crions à toi ce matin. C'est toi qui es omniprésent. Tu vois tout. Seigneur éternel, mon Dieu. Mais ce que nous connaissons, nous avons, Père, déclaré les impudicités. La prostitution que nous avons fait, on a vendu nos corps, on a fait les choses vraisemblables. Seigneur éternel, mon Dieu, les mensonges, les ruses que nous avons fait pour avoir les statuts, pour avoir le statut. On a menti, on a dit des choses de tout genre. Même la politique, on n'a jamais fait. On a dit qu'on a fait la politique. Jésus, pardonne. Jésus, pitié. Pardonne ton peuple, Seigneur. Pardonne, Seigneur éternel. Pardonne, oh Dieu de tout ton cœur. Pardonne, Jésus. On s'est rallié, même avec le genre, pour se marier. On a créé, Seigneur, on a appelé les maris et les femmes spirituelles. Nous-mêmes, on a signé le pacte de tout genre, à la recherche des statuts, à la recherche, Seigneur. Pardonne, oh Dieu, l'homme de Galilée, l'homme de compassion et de douleur. Nous venons à toi. Nous venons à toi. Nous venons à toi. L'homme de compassion et de douleur. Jésus, pitié. Jésus, aie pitié de moi, aie pitié de mon frère, aie pitié de ma soeur, pardonne Seigneur, tout ce qui a amené que nous soyons massacrés, tout ce qui a amené que nos enfants soient massacrés, que la mauvaise enfant meurt à cause de la malédiction, Seigneur éternel mon Dieu, parce que nous étions conçus, notre Seigneur éternel, des deuxièmes femmes, des enfants de deuxièmes femmes, Seigneur éternel mon Dieu, oh Dieu de toute gloire, des enfants qui viennent de la polygamie, des familles de polygamie, des injustices de tout genre, Jésus pardonne, Jésus pitié de nous. Pardonne Seigneur éternel. Pardonne l'homme de Galilée. Famille d'inceste. On a fait des incestes de tout genre. Seigneur éternel, mon Dieu. À tes frères, à tes soeurs. Seigneur éternel, mon Dieu. Dieu de toute gloire. T'as avec les parents, tant spirituels que physiques. Les parents qui ont marié. Seigneur, les enfants. Dans les mondes de ténèbres. Dans les mondes de la sociologie. Jésus, pardonne. Laisse cesser la malédiction. Seigneur éternel, mon Dieu. Mais bien-aimé dans le Seigneur. Je sais que Dieu est tenté de te parler. Il est tenté de te monter. Dans quelle est racine qui est sortie. Oh Dieu de toute gloire, pardonne Jésus et pitié de nous. Aie pitié de nos pères, aie pitié de nous l'homme de Galilée, l'homme de compassion de douleur, l'homme de compassion de douleur, l'homme de compassion de douleur. Jésus pitié, Jésus pitié, Jésus pitié, pitié Seigneur éternel, pitié pour mon frère, pitié pour ma soeur, pitié Seigneur éternel. Nous te demandons ta miséricorde ce matin, Seigneur éternel mon Dieu. Parle de famille, des sorciers, de famille du diable. On a commencé à manger la sorcellerie, Seigneur éternel mon Dieu, depuis le ventre. Jésus pardonne, Jésus pitié de nous. Seigneur éternel mon Dieu, les féticheurs, famille de féticheurs et de marabouts, pour avoir quelque chose, et on doit voir les féticheurs, on doit voir les marabouts. Seigneur, pardonne Jésus. Combien de féticheurs, la magie, l'occultisme, les maraboutales, nous avons fait des choses invraisemblables. Seigneur éternel mon Dieu, pardonne Jésus, pardonne Jésus. Pardonne l'homme de Galilée. Pardonne l'homme de compassion et de douleur. Jésus pitié. Jésus pitié. Jésus pitié. Jésus pitié. Merci Seigneur.
Gloire et louange à toi, Seigneur éternel. Gloire et louange à toi, Emmanuel. Seigneur, pitié de nous. Et pitié de nos parents. Seigneur éternel, mon Dieu. Les termes des contrats que nous avons signés avec le diable, avec le ténèbre. Seigneur, pardonne-nous. Jésus, aie pitié de nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, l'homme de Galilée. L'homme décompensé de douleur. Jésus, pitié. Jésus, pitié. Jésus, pitié. Jésus, pitié. Et pitié de nous, Seigneur. Merci, oh Dieu de ta gloire. Mais bien-aimé, nom de Seigneur, nous allons plaider le sang. Que le sang de Jésus nous nettoie. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 au verset 19. Sachez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été racheté de vaines manières de vivre, vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme des agneaux sans défaut et sans tache. Mais bien aimé, c'est le sang de Jésus qui peut nous laver, qui peut nous nettoyer, qui peut nous justifier et nous accorder le pardon. Pourquoi nous plaidons le sang de Jésus maintenant? Le sang de l'agneau, nettoie-nous, Père. Nettoie-moi de tout souiller. Nettoie ma femme de tout souiller. Le sang de Jésus, le précieux sang de l'agneau. Nettoie ma maison, nettoie ma conscience, nettoie ma circonscience, nettoie mon intuition, nettoie mon intelligence. Le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Le sang de Christ, le sang de Dieu vivant, le sang de l'agneau immolé, le sang qui crie plus que le sang d'Abel. Que ton sang, Seigneur éternel, lave-moi, nettoie-moi, nettoie ma conscience, nettoie ma circonscience. Quelles soient les iniquités de mes parents, quelles soient mes propres iniquités, mes propres péchés. Lave-moi complètement, lave ma femme complètement, lave ton peuple, Père. Que ton précieux sang, le sang que tu as versé, si mon Gogota, le sang que tu as résolu, les problèmes de péché de l'homme. Seigneur éternel, mon Dieu, que ces précieux sang-là, Seigneur éternel, mon Dieu, nous nettoie, nous lave, nous purifie, nous sanctifie, nous rassasie dans la sainteté de Christ Jésus. Le sang de l'agneau mort, le sang de victoire, le sang de victoire, le sang de victoire, et le sang de Jésus. Seigneur éternel, mon Dieu, oh que Seigneur, lave ton peuple, lave-moi, lave nos familles, lave nos enfants, lave Père éternel, mon Dieu, même notre progéniture, soit nettoyé. Que notre ligne soit lavée, soit purifiée, soit sanctifiée, soit rendue saint dans la sainteté de Christ. Oh Dieu de gloire, merci Seigneur éternel. Merci l'homme de Galilée. Merci au Dieu de toute gloire. Merci Seigneur éternel. Merci au Dieu de toute gloire. Mais bien aimé nom de Seigneur, quel que soit livré, que l'ennemi a planté, livré de la malédiction, livré de la sorcellerie, toutes les choses dans les rêves que l'ennemi a planté à nous, dans notre conscience, dans notre circonscience, dans la vie de nos enfants, nous allons déraciner, nous allons déloger, nous allons enlever. Par le sang de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Père éternel, mon Dieu, nous plaidons le sang de Jésus, le sang de l'agneau immolé, le sang de victoire, des racines. Seigneur éternel, mon Dieu, toute sorcellerie à nous, toutes les choses du diable en nous, soient déracinées. Tout ce que nous mère en relais, avec les autels de la famille, avec les autels de maison de paix, Seigneur éternel, mon Dieu, soit déraciné dans ma vie, dans la vie de ma femme, dans la vie de ton père. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, tout tes sémences de fétiches qu'on avait pratiqué sur nos corps. Seigneur éternel, mon Dieu, qu'il ait été de donner un droit légal au diable. Seigneur éternel, mon Dieu, les poudres qu'on a mis dans notre sang soient déracinées maintenant, soient délogées. Tout ce qui est entré par les voies des rêves, qu'elle soit la mort, la sémence de la mort, la malédiction, toutes ces sémences de ténèbres entrant en nous. Seigneur éternel, mon Dieu, sois ôté maintenant, sois enlevé maintenant, par le sang de Jésus, par le sang de Christ, par le sang de Dieu vivant, par le sang de l'agneau mort, par le sang de Christ. Le sang de Dieu vivant, le précieux sang de l'agneau, ôte tout, enlève tout, les marques du diable, le marque de Dieu, le marque 666, les marques de la bête, le marque familial de la maison de mon père, soit ôté, les marques, le point de contact, les droits légaux qu'ils ont placés à nous, qu'ils ont placés dans nos âmes, dans nos esprits, dans nos corps. Seigneur éternel, mon Dieu, soit déraciné, soit enlevé par la puissance du sang, par la puissance du sang.
la puissance du sang, par la puissance du sang, par la puissance du sang, le sang de Jésus, tout ce qu'on a fait manger, de fait que Seigneur éternel, ceux qui ont eu des visitations, des maris et femmes spirituelles, qui sont qui l'ont injecté, Seigneur éternel, mon Dieu, tout ce qui a été par le sexe, soit déraciné, soit délogé par le sexe, par le sang de Jésus, tout ce qui est entré par la bouche, nous les faisons sortir dans les lieux secrets, par le sang de Jésus, par le sang de nous, tout suit, Seigneur éternel, mon Dieu, tout est plan, Seigneur éternel, mon Dieu, tout un plan, Seigneur éternel, qu'on a placé à nous, au nom puissant de Dieu, soyez vaqués de notre corps, soyez vaqués de notre âme, soyez vaqués de notre esprit, soyez vaqués de notre inconscient, de ce qu'on soit cette de l'âme et l'esprit, au nom puissant de Dieu, dans nos vies, dans la vie de ma femme, dans la vie de ton peuple, Seigneur éternel, mon Dieu, que le sang coule, que le sang coule, que le sang coule, que le sang coule, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur éternel. Merci l'homme de Galilée. Merci l'homme de compassé de tous les. Merci Jésus-Christ. Merci Père éternel. Oh, gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom. Oh Dieu le plus puissant. Merci Seigneur éternel. Merci oh Dieu. Mais bien-aimé, nous le Seigneur. Nous allons appeler. Maintenant, avant d'appeler le Saint-Esprit, nous allons annuler les mauvais rêves, les cauchemars, tout ce que nous avons eu pendant les ténèbres. Nous allons annuler ces mauvais rêves-là. Si tu as eu des mauvais rêves, même dans le passé, que tu n'as jamais annulé, commence à annuler tout rêve d'échec, tout rêve de destruction. Annule cela, révoque cela par le sang de Jésus. Les rêves des morts, les rêves des pertes d'air, au nom puissant de Jésus, les rêves de suivi sera révoqué, soit annulé. Les rêves de perte, les rêves, Seigneur éternel, mon Dieu, des destructions, soient annulés dans ma vie, dans la vie de ma femme. Je les révoque ce matin. Tous mauvais rêves que tous mes enfants spirituels ont eu dans les mondes ténèbres, j'annule ces rêves. Les rêves d'initiation à la sorcellerie, les rêves de ténèbres, les rêves du diable, les rêves de malédiction, d'échec et de blocage, d'humiliation, de maladie opiniâtre. Oh, on a injecté les choses, toutes les choses qu'on nous a injectées. Nous les déracinons maintenant tout ce qu'on a jeté à nos enfants, à nos progénitures, soit déraciné, soit délogé, soit enlevé par le sang de Jésus, par le sang de l'agneau. Merci Seigneur éternel, merci l'homme de Galilée, que toute la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence, l'élévation, la gloire, Seigneur, il revient qu'à toi et à toi seul. Merci Père, mais bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est fidèle. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Mais bien-aimé dans le Seigneur, nous avons vraiment besoin de l'Esprit de Dieu pour que le Saint-Esprit nous prenne en charge, pour que le Saint-Esprit nous dirige. Nous avons vraiment besoin de lui. On a besoin que l'Esprit de Dieu nous prenne en charge. Mais bien-aimé dans le Seigneur, qui nous parle, qui se révèle à nous, qui nous montre les choses profondes et cachées. Parce que le quarantaine, c'est le département, la prière de la recherche. La recherche, mes bien-aimés, pourquoi ça ne va pas dans ma vie? Pourquoi je me comporte? Pourquoi l'humiliation? Pourquoi les choses? Je prie, mais je ne vois pas les résultats de mes prières. Pourquoi? C'est vrai, pourquoi? C'est nous invoquons l'Éternel. Il a dit, invoque-moi. Je t'ai répondu. Je t'annoncerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Invoquez le Saint-Esprit maintenant. Esprit de Dieu qui nous révèle les choses profondes et cachées. Esprit de Dieu, esprit de lumière. Esprit de Christ, cher Saint-Esprit de Dieu, déborde de ma vie, déborde de mon cœur, déborde de mon âme, déborde de mon esprit. Au nom puissant de Jésus, Esprit de Dieu, révèle-moi, je t'invoque, révèle-moi les choses profondes et cachées, les choses cachées, les malédictions cachées dans ma vie, les malédictions cachées dans la vie de ma femme, les malédictions cachées dans la famille que je ne connais pas. Esprit de Dieu, je t'invoque, fais-moi montrer les choses cachées, les choses que mes aïeux ont eu à faire, qui a affecté ma vie, qui a affecté la vie de ma femme, qui a affecté mon foyer. Esprit de Dieu, je t'invoque, tu as dit quiconque m'invoque sera sauvé. Sauve-moi, Esprit de Dieu. Sauve-moi. Sauve ma femme. Sauve tes enfants. Révèle-nous les choses profondes et cachées. Transporte-nous. C'est les sources de malheur, les sources de malédiction, les sources de ténèbres. Esprit de Dieu, montre-nous. Mais bien-aimé dans le Seigneur, tu connais les problèmes que tu as en train de passer. Demande au Saint-Esprit, qu'est-ce qui est caché devant ces problèmes? C'est le blocage, des limitations, les échecs de tout genre. Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui est caché? Oh Dieu le tout au cœur.
Cher Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi, 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 Esprit de Dieu, ouvre nos yeux spirituels, ouvre l'intelligence spirituelle, c'est matin, transportez-nous en esprit et fais-nous voir là où les malédictions ont commencé, voilà où les malédictions ont commencé, qu'est-ce qui a été dit ce jour-là, qu'est-ce qui a été fait ce jour-là, mais bien-aimé, dans le Seigneur, nous appelons l'agent des renseignements, l'agent des renseignements et d'espionnage, il peut retourner même 1000 ans avant ta naissance était révélé les choses profondes et cachées. Nous sommes à la recherche, nous sommes dans un département de recherche, nous sommes dans la prière de recherche, rechercher avec le Saint-Esprit, rechercher avec mon Dieu les causes de mon malheur, les péchés que j'ai commis tous les jours. Peut-être que je ne connais même pas qu'est-ce que je parle mal aux yeux des gens tous les jours. C'est ça qui me bloque, qui bloque ma délivrance. Seigneur, ramène-moi ces chose, ramène à mon frère, ramène à ma soeur, ramène à chacun d'entre nous, au nom puissant de Jésus. Dans un premier jour de la prière, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous ne voulons pas prier les choses que nous ne connaissons pas, nous voulons prier, Seigneur, éternel mon Dieu, parle-nous, même au travers de ta parole, donne-nous la révélation, même au travers de la parole, convainc-nous de quelque chose, Esprit de Dieu, merci Seigneur éternel. Merci l'homme des canulés. Merci l'homme des compassés de douleur. Merci au Dieu. Mais bien aimé le Seigneur, nous allons maintenant déraciner tous les esprits qu'on nous a envoyés la nuit, qu'on nous a envoyés dans les hôtels de la famille. On nous a bombardés avec des esprits au nom puissant de Dieu. Alors tout ce que nous voyons, les manger la nuit, sortir, tout ça, ce sont des occasions pour envoyer des témoins dans notre vie, pour exécuter les malheurs, leurs pauvres, qu'ils ont déterminant ces jours. Voilà pourquoi nous allons déloger tous les démons qui ont envahi nos âmes, qui ont envahi nos esprits, qui ont envahi nos parents, qui ont nos épouses, qui ont envahi nos enfants. Nous allons les chasser maintenant. Au nom puissant de Jésus, prends l'autorité. Mais bien aimé, nom de Seigneur, chassez maintenant. La Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Commencez à chasser sur base de cette parole. Commencez à chasser les esprits. Commencez à lier ces esprits. Au nom puissant de Jésus, ton esprit de mort qu'on a envoyé dans ma vie, qu'on a envoyé dans la vie de ma femme, qu'on a envoyé dans la vie de peuple, l'esprit de mort. Je t'ai chassé loin de ma vie. Je t'ai chassé loin de mes enfants spirituels. Loin de ma femme. Au nom puissant de Dieu. Loin de ma progéniture. Au nom puissant de Dieu. Esprit de mort. Esprit de mort. Esprit qui vient de ces jours de mort. Au nom puissant de Dieu. Les esprits de ceux qui sont morts. Que j'ai vus dans les rêves. Au nom puissant de Dieu. Je les déloge. Je les chasse. La Bible déclare. Il n'y aura pas de rapport entre le mort et le vivant. Au nom puissant de Dieu. J'ai commandé l'esprit de mort. Et bien libérer, de libérer mon âme, de libérer mon esprit, de libérer ma conscience, de libérer ma femme, tout Seigneur éternel mon Dieu, tous les démons d'attaque qui ont reçu la mission de nous tourmenter en ces jours, de nous détruire en ces jours, tous les démons, quels que soient leurs noms, quelles que soient leurs appellations, je les lis, je les enchaîne, je les lis, je les renvoie tout droit dans les abîmes sans fond, au nom de Jésus, les esprits de tourment, les esprits de tourment, des maladies mentales qu'ils ont envoyées à des enfants, maladie mentale, maladie spirituelle, je déracine, je commande à ces maladies, toutes les flèches des maladies qu'on nous a envoyées la nuit, allez commencer à lever ces flèches-là, et tout dans les serviteurs, toutes flèches de maladies dans la vie du peuple de Dieu, quelles que soient les douleurs, quel que soit tout ce que nous envoyons, j'enlève maintenant la flèche-là, je retourne la flèche à son esprit du cœur, à la mort, ceux qui sont pour la mort, à la destruction, ceux qui sont pour la destruction, à l'échec. Ceux qui sont pour l'échec, à la famille, ceux qui sont pour la famille, quel que soit ce qu'ils ont envoyé contre moi, contre ma femme, les esprits de serpents, les esprits de ciel, les esprits de eau qu'on a largués contre nous pour nous détruire, pour nous combattre en ces jours, le 16e jour du mois de juillet 2020, je viens les chasser par le feu, par les tonnerres dans mon corps. J'allume le feu dans mon sang, dans les nerfs, dans les moindres os, dans les corps, dans mes organes génitaux, dans les organes génitaux de ma femme. Partout où vous vivez, les démons, recevez le feu, recevez les tonnerres et que les vents du Saint-Esprit vous apportent loin de nos vies, nous apportent loin de nos vies. Au nom puissant de Dieu, tous les démons qui sont entrés dans la vie de mes bien-aimés, au nom puissant de Dieu, qui me suit maintenant, au nom puissant, j'ai autorité
je libère le feu partout où vous nous suivez. Que le feu marche, que le feu se promène dans chaque maison, dans chaque continent, dans chaque nation. Au nom puissant de Jésus, partout Seigneur éternel, on est en train de regarder la... La séance de prière maintenant, en lâche, qui reçoive le feu là où il se trouve, le feu de l'éternel, tous les démons, les légions des démons, qui les tourmentent, qui tourmentent sa vie, qui tourmentent sa santé, qui tourmentent ses affaires, qui nous tourmentent, soient liés et enchaînés et ligotés et renvoyés tout droit dans les abîmes sans fond, à tête d'attendre le dernier jugement. Et cela au nom puissant de Jésus. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire, Emmanuel. Merci pour la victoire que tu nous donnes ce matin. Tu es pour nous le Dieu de victoire. Nous sommes plus qu'avec par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus qu'avec eux. Sois béni ce matin. Sois glorifié ce matin. Parce que tu es Seigneur. Parce que tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus. Merci l'homme de Galilée. Merci l'homme de compassion et de douleur. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous allons annuler tout projet, tout ce que l'ennemi a projeté pour nous détruire, les accidents, la mort, les maladies, tout ce qu'il a projeté, cela n'arrivera pas. Car la Bible déclare, former des projets, ils seront anéantis, donner des ordres, ils seront sans effet. C'est au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, commencez à annuler, commencez à révoquer. C'est éternel, mon Dieu, je viens annuler le projet des malheurs de l'ennemi a préparé le 16e jour ici. Contre moi et ma femme, nous déprogrammons tous ces malheurs. La mort, mort subite, mort par des malaises, mort par écadia, mort par accident. Nous renversons au nom puissant de la mort de notre progéniture, de nos enfants. Soit renversé tous les malheurs, tous les attaques de tout genre. C'est éternel, mon Dieu, privé, prévu. Cette journée, soit renversé. Ça n'arrivera pas. Ça n'aura pas lieu. Des maladies opiniâtres, des flèches du diable, des flèches de ténèbres, de pleurs, des graissements de dents. Soit détruit. Soit renversé, ça n'arrivera pas, ça n'aura pas lieu dans ma vie, dans la vie de ma femme, dans mon foyer, dans mes affaires, dans la vie de mon Père Dieu. J'ai renversé tous les attaques de ces jours, tous les projections de l'ennemi, au nom puissant de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, libère le feu, les tonnerres, l'ouragan, même le pays, contre tous les exécutants, des plans de monde de ténèbres, tous les exécutants, des attaques du diable contre ta vie, contre tes enfants, au nom puissant de Dieu, contre ton au nom puissant de Jésus, que le feu de l'éternel soit libéré, comment, quand c'est consumé, les esprits à forme humaine qui exécutera, les esprits à forme de serpents, d'oiseaux, des reptiles, c'est l'éternel, mon Dieu, des chats, de chair, soit brûlé maintenant, soit cassé par le feu, tous les hommes, Seigneur, qui ont été équipés à nous attaquer, qu'ils soient au travail, qu'ils soient, Seigneur, nous créer des problèmes, que les problèmes qu'ils ont prévus contre nous, les soient retournés à l'expéditeur, tous ceux qu'ils ont prévus, les malheurs, leurs preuves, parce qu'ils aiment la malchance. Que la malédiction soit attachée à lui. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Qui tombe dans les propres pièges. C'est l'éternel, mon Dieu. Qui soit attrapé dans les propres pièges. Qui tombe dans les propres coups. Les coups qu'ils ont prévus contre moi. Contre de ma femme. Contre la progéniture. Contre les enfants de Dieu. Qu'elle est même entre dans les coups. Que les maladies qui sont prévues contre nous. Oh non, la Bible déclare que nous soyons en bonne santé. Comme l'état de notre âme. Nous déracinons la maladie. Nous les retournons avec un feu immédiat. Les malheurs, nous déracinons les malheurs, nous les retournons, toutes les malédictions qu'ils ont envoyées contre nous en ces jours, que la malédiction les soit retournée au nom puissant de Dieu, que les incantations, les envoûtements qu'ils ont prévus en ces jours contre nous, nous les retournons avec effet immédiat, et cela au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur éternel, merci l'homme de Galilée, tu vas demander à Dieu de te parler ce matin, que le Saint-Esprit nous parle. Que le Saint-Esprit nous donne la compréhension de la parole de Dieu, la parole de l'Éternel, au nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, parlez-nous ce matin, révèle-nous les choses profondes et cachées, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de lumière, éclaire-nous et donne-nous la révélation au travers de la parole, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur éternel, gloire et louange à toi Seigneur. Merci, utilise-nous comme un simple instrument pour l'unique et la seule gloire de nom de Jésus. Mais bien aimé dans le Seigneur, prends les prières au sérieux. Nous avons commencé notre quarantaine, chacun de nous, depuis minuit d'hier. Mais bien aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi nous continuons. Le quarantaine, c'est la recherche, une prière de recherche. Des choses qui ne vont pas, des malheurs,
Regarde le temps que tu as passé en Occident. Qu'est-ce que tu as eu? Rien. Tu tournes en rond. Ce sont ces choses-là que nous sommes atteints dans trop en profondeur. Et c'est arrivé au mois de septembre, au mois de juillet, où le Seigneur nous dit que nous devons avoir des réponses. Et le Seigneur nous a parlé qu'il y a des malédictions qui ont été prononcées sur la terre, que nous devons révoquer, que nous avons annulées. Et ces malédictions, quand il y a une malédiction, il y a des esprits qui doivent, on doit mettre terme à ces esprits pour que nous puissions vivre la gloire de Dieu. Et nous avons défini qu'est-ce qu'on n'attend pas à la malédiction. Et hier soir, je vous ai donné le type de malédiction. Nous avons vu la source de toutes les connaissances. Parce que nous n'avons pas la connaissance, il faut avoir la source de toutes les connaissances sur le Saint-Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui peut te transporter là où tu ne peux pas arriver. Il peut te monter des choses profondes et cachées. Et depuis que nous avons commencé la prière la semaine passée jusqu'à présent, mes bien-aimés, j'attends des miracles, des révélations, des grandes révélations que l'Éternel tentait de donner à ses enfants. Et en même temps, la délivrance était processée. Lorsqu'il les révèle, il délivre et nous allons, nous montons petit à petit jusqu'à ce que la victoire sera certaine. Ce matin, mes bien-aimés, nous allons continuer toujours avec nous allons continuer. Hier, on a parlé des types de malédictions, des manières, on les a catégorisées de manière générale. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir le but des malédictions. Le but des malédictions dans notre vie. Car quand on te maudit, qu'est-ce que l'ennemi cherche? Quand il y a la main, on t'envoie la malédiction. L'ennemi cherche quoi? Le but des malédictions dans notre vie. Le but des malédictions dans notre vie. Bien-aimé nom du Seigneur. Et bien-aimé nom du Seigneur. Le but de la malédiction dans notre vie. Mais bien-aimé, nous avons plusieurs. Nous allons plusieurs. Mais je vais résumer à deux. Le but des malédictions dans notre vie. Il y a deux buts de la malédiction essentiels dans la vie d'un homme. Mes bien-aimés, le premier but de la malédiction dans la vie d'un homme, c'est la malédiction envoyée par Satan ou par ses serviteurs. Par Satan et par ses serviteurs ont pour toujours les buts définis dans Jean 10:10. Mes bien-aimés, toutes les malédictions que Satan et ses acolytes nous envoient contre nous. Mais bien aimé, nous avons deux sortes de buts. Le premier but, les malédictions envoyées par le Satan et ses acolytes. C'est-à-dire les démons et les hommes qu'il utilise contre nous. Ces malédictions-là, c'est défini dans la mission principale du diable, définie dans Jean 10:10. Dans Jean 10:10, la partie A, Jean chapitre 10. Verset 10a. Et qu'est-ce que la Bible déclare? C'est un verset que chacun de nous connaît. Je vous rappelle seulement. Mais bien aimé, dans Jean 10:10a, la Bible déclare: le voleur ne vient que pour égorger. Donc, les buts des malédictions envoyés par Satan et ses acolytes contre nous. Mais bien aimé, non, le Seigneur, c'est pour nous égorger. C'est pour terminer la mort. Mort la spirituelle, mort physique, mort matérielle, mort financière, mort conjugale, mort émotionnelle, mort sentimentale. Donc, tout ce que l'ennemi amène, lorsqu'il t'amène la malédiction dans ta vie, c'est pour t'amener à la mort. Ça, c'est la première chose. Deuxième, malédiction. Mais pourquoi il envoie la malédiction? Le voleur ne vient que pour égorger, je vous ai dit, il vient pour voler, dérober, c'est-à-dire voler. Lorsqu'il t'a fait la malédiction, c'est voler toutes les bénédictions que Dieu t'a données. Quand la malédiction est placée sur toi, les bénédictions de Dieu s'enfuient. Ça ne peut plus venir. Tu ne peux plus vivre la bénédiction de Dieu. Alors, il dérobe. Alors, pour dérober la malédiction et la bénédiction de Dieu dans ta vie, il va te placer en toi la malédiction. Et cette malédiction va commencer à chasser le bénédiction au-dedans de nous. Et troisième chose que le voleur vient faire, c'est pour détruire. Donc, quand on peut détruire, c'est ruiner la personne. Détruire quoi? Ta santé, peut-être détruire tes enfants, peut-être détruire ton foyer, tes affaires, tes projets, tes études, tout,
il va amener la destruction totale, qu'elle soit le matériel, qu'elle soit le physique, qu'elle soit tout ce que tu as, le travail, il n'y aura que la destruction sur destruction. Il va te limiter. Rien ne marche. Rien ne marche. Maintenant, dans le Seigneur, rien ne marche. Tu vas voir que des choses vont semblables. Voilà pourquoi. Il va saboter le plan merveilleux de Dieu dans notre vie. Il va saboter le plan. Le plan de Dieu dans notre vie. Vous connaissez le plan de l'Éternel. Le plan de Dieu dans notre vie est dans Jean 3, Jean 2. La Bible déclare, prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc, Dieu nous a amené un plan de prospérité à tous égards. Et pour nous donner l'avenir, un avenir meilleur. C'est ça Dieu. Il a dit, vous devez prospérer. Il va vous ruiner avec des maladies, des infirmités. Il va envoyer toutes sortes de maladies et des infirmités en nous pour nous empêcher de vivre la gloire de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur. Mais bien aimé dans le Seigneur. Voilà les malédictions. Pourquoi l'ennemi aime toujours que... Il trouve une occasion pour te maudire parce que tout ce il va ruiner ta santé, il va ruiner ton argent, il va ruiner tout ce qui est dans ta vie. Mais bien aimé dans le Seigneur. Et tu as la parole de Dieu, mais la malédiction est là dans ta vie. Tu as la parole de Dieu, mais la malédiction est à tête de nuire, de détruire notre vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, chacun de nous doit s'approprier de l'œuvre de la croix. Pour que la malédiction puisse partir. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas que tu reçois Jésus. Ça tombe. Parce que le sang a coulé en Gogota. Chacun de nous doit arracher sa bénédiction. Chacun de nous, les gens parlent du sang. Oh, le sang de l'agneau a fait ses... Non, le sang a fait son travail. Le sang, c'était pour arrêter le problème du péché et de la mort dans notre vie. C'est ça le Jésus est mort. Et il a dit, pour que nous puissions vivre, il y a le Saint-Esprit qui va venir pour nous conduire. Et le Saint-Esprit, il nous a dit qu'il y aura la guerre, qu'il y aura les combats spirituels. Les combats là est réel. Et le Seigneur a parlé, même à ses serviteurs qui sont venus, qui nous a défini les combats, la nature de notre combat. C'est contre quoi? C'est contre les démons, les dominations, les autorités, les principautés, les puissants de l'air, des terres et des mers. Donc, le diable va te voler, va t'égorger, va égorger tes enfants, va tuer ton mariage, tuer tes fiançailles, tuer tes enfants, détruire les enfants, amener tout genre de situations dans ta vie où tu ne peux pas croire que ça peut arriver chez les enfants de Dieu. Voilà pourquoi les enfants de Dieu ont beaucoup de problèmes. Les chrétiens ont beaucoup de problèmes parce qu'ils ne savent pas ces réalités. Qu'il y a une malédiction. Et une malédiction, ça peut rester même 500 ans. Mais bien aimé dans le Seigneur, la malédiction est toujours là. 500 ans, la malédiction sera brisée que le jour où tu as la connaissance, tu brises la malédiction là. C'est pas ça, la malédiction va continuer à agir dans la lignée familiale, pour voir tout ce que tu es en train de vivre. Regardez ceux qui t'ont précédé. Regardez ceux qui t'ont précédé. Quelle était leur vie? Quel est leur niveau de mariage? Quel est le niveau? Qui s'est marié dans cette famille-là? Où tout le monde s'est marié, ils ont tous divorcé. Mais bien aimé dans le Seigneur, est-ce que tu as besoin d'une révélation? Est-ce que tu as besoin que le Saint-Esprit te transporte là-dedans? Tu n'en as pas besoin. Regarde seulement la famille. Regarde les tantes. Regarde les oncles. Et regarde tout ce qui se passe. Ton père même. Ta mère même. Regarde ce qui est en eux. Ce qui est bien laisse. Tu peux avoir le matériel. Tu peux avoir l'argent. Mais l'argent là vient de la magie. On vous a tout sacrifié. Les voitures que vous étiez en train de monter là, c'est votre sang. C'est votre sang que vous avez des voitures là. Et bien aimé dans le Seigneur. C'est le sang. On vous a donné, les diables vous a donné l'argent. C'est votre sacrifice. C'est les sacrifices là que vous étiez en train de monter. Dans des maisons de sacrifices que vous avez grandi. C'est la malédiction. Donc, la malédiction ne se définit pas par le fait de ne pas avoir l'argent. Par ne pas élever. N'envie pas les gens dans la vie. N'envie pas les gens. Tu ne sais pas dans quelle situation c'est. Il y avait une personne qui était venue chez mes parents spirituels. Cette personne-là, mes bien-aimés, il est allé chercher la magie, l'occultisme. Il a lié toute sa famille.
il ne pouvait même pas avoir des enfants la nuit. La nuit, c'est-à-dire être sur le même lit avec sa femme. Donc, on lui avait dit qu'il devait dormir dans des baignoires toute la nuit. Mais bien aimé, non, le Seigneur. Mais le matin, la veste qu'il porte, s'il a porté le bleu, on va regarder sur son parking. La Mercedes est bleue. C'est là où le chauffeur va prendre par rapport à la costume qu'il a porté. La veste qu'il a porté. Mais bien aimé, non, le Seigneur. Mais cet homme est venu en pleurant. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Qu'est-ce que vous pouvez m'aider pour sortir de cette situation ici? Donc, tu vas envier les gens, mais tu ne sais pas ce qu'il y a au-dedans. Mais bien aimé, non, le Seigneur. Voilà les malédictions qui viennent du diable. Mais bien aimé, non, le Seigneur. Nous avons le but, ça, le but de la malédiction du diable, c'est saboter le plan de Dieu dans ta vie, te voler la bénédiction de Dieu pour que tu ne voyes pas toutes les promesses que Dieu nous a données dans la Bible ne vont pas s'accomplir et tu vas vivre que des malheurs, que l'opprobre et tu ne vas pas évoluer. Ma bien-aimé dans le Seigneur. Deuxième but des malédictions, c'est la malédiction de Dieu. La malédiction de Dieu. La malédiction qui vient de Dieu, qui trouve la source de Dieu. Ces malédictions-là, mes bien-aimés, ont pour but d'attirer notre attention, attirer l'attention de la personne et de l'amener à se détourner de ses mauvaises voies. Donc, quand Dieu nous maudit, ce n'est pas pour toujours. C'est pour tirer ton attention. Il t'a parlé, tu n'écoutes pas. Alors, c'est à ce moment-là que Dieu va te livrer à la malédiction. Mes bien-aimés. Et la malédiction de Dieu, c'est pour encore le but d'attirer l'attention de la personne et de l'amener à se détourner de ses mauvaises voies. Donc, Dieu nous amène les malédictions là. Ce n'est pas pour nous nuire. Ce n'est pas pour nous nuire, mes bien-aimés. Mais pour tirer l'attention et que tu reviennes à ses pieds. Et que quand tu vas revenir, il va annuler. Il va te délivrer, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Là, pourquoi? Il faut... pour nous amener à se détourner de ses mauvaises voies, pour se tourner vers Dieu et purifier sa vie. Donc, le but de la malédiction de Dieu, la malédiction de Dieu a pour but d'attirer l'attention de la personne et de l'amener à se détourner de ses mauvaises voies, pour se tourner vers Dieu et purifier sa vie. Mais bien aimé, si cette personne ne répond pas à cela, il sera détruit et certainement mis à mort. Mais bien aimé, non, le Seigneur. Quand Dieu te parle, tu n'écoutes pas, c'est la mort qui t'attend. Voilà pourquoi, mes bien aimés, non, le Seigneur, notre Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il veut que le pécheur puisse se repentir et qu'il parvienne à la victoire de Christ. Mais bien aimé, non, le Seigneur, vous allez voir cela dans les livres, dans les thèmes, notre thème de la vie. Vous connaissez. C'est dans 2 Chroniques, chapitre 33. 2 Chroniques, chapitre 33. 2 Chroniques, chapitre 33. Le verset 10 au verset 13. La Bible déclare. Éternel parla à Manassé et à son peuple, mais il n'y fit point attention. Alors, l'Éternel fit venir contre eux le chef de l'armée de le roi de Syrie qui saisit Manassé et les mit dans le fer et les liait avec des chaînes de rein et le menait à Babylone. Mais bien aimé, c'est ça la situation. Quand Dieu t'est maudit, il te livre entre les mains de l'ennemi. Et l'ennemi va, quand l'ennemi t'aura, on va te lier très bien, t'enchaîner. Et l'amener dans une prison à Babylone, dans les camps de tes ennemis, dans les camps des démons qui viennent des années. Mais bien aimé, non, le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Et là, il était non seulement amené à Babylone, saisi, mis dans le fer, il avait le fer, lié avec les chaînes des reins, et on le menait à Babylone, donc dans une prison spirituelle. Mais bien aimé, à ce moment-là, tu vas sortir comment? Ça va sortir comment? Dieu lui parlait. Dieu parlait. Il a amené le serpent. Il a amené les balles dans la maison de l'Éternel. Il a amené la prostitution. Il a commencé même à sacrifier ses enfants propres dans la maison de l'Éternel. À des faux dieux.
Il a établi les hôtels de tout genre. Des hôtels de ténèbres où on invoquait des faux dieux. Il faisait des actions. Dieu lui parlait. Dieu lui parlait. Manassé ne fit plus de quoi que ce soit. L'attention de Dieu. Le but de Dieu qui était d'amener. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris jusqu'à ce que le Seigneur est compatissant. Le Seigneur est lent à la colère. S'il arrive à te maudire parce que tu as commis la vérité, tu n'arrives pas à appliquer la vérité. C'est à ce moment-là qu'il ordonne sa malédiction. Ou ses malédictions. Alors il était amené dans les chaînes. On les lit avec les chaînes des reins et le menèrent à Babylone. Verset 12. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu. Il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières, c'est au pluriel. Et l'Éternel se laissa fléchir, exauça ses supplications et les ramena en Jérusalem, dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Bien-aimé, au cours de cette prière, si tu suis Manassé, si tu t'humilies comme Manassé, si tu t'humilies dans la situation où tu es là et que tu demandes pardon à Dieu, le Seigneur va enlever les malédictions. Le Seigneur va enlever toutes ces malédictions qu'il a permis qu'elles arrivent dans notre vie. Et nous allons vivre la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, ce matin, je te laisse avec cette parole. Je te laisse avec la parole de Manassé. Que tu puisses, je ne sais pas dans quelle chaîne tu es lié. On t'a lié à quoi? On a lié ta vie en quoi? On t'a lié dans quelle situation? Tu es à la malédiction dans quelle situation? Dieu t'a parlé. Nous n'avons pas écouté. On a commencé à marcher. Mais le temps est arrivé pour que chaque... Aujourd'hui, la répartance est si répartante. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans quelle chaîne? Les chaînes de maladie, les chaînes de démence, de la folie, les chaînes, tu es dans quelle chaîne? Les chaînes de célibat, la chaîne de stérilité, les chaînes, quelles chaînes tu te trouves? De malaise, de limitation, de blocage, que tu ne peux pas te jouir comme notre soeur là. On lui dit, ce n'est pas toi, d'ailleurs, moi je ne suis pas arrivé. Toi, tu vas arriver comment? Bien-aimé, nom du Seigneur, c'est là où nous sommes. Mais notre Dieu est fidèle, notre Dieu est puissant, notre Dieu est glorieux. Il va le faire encore. Bien-aimé, nom du Seigneur, nous allons nous humilier. Ce matin, nous allons nous humilier. Que l'Éternel soit avec nous. Que l'Éternel vraiment est glorifié dans notre vie. Au nom puissant de Jésus, commencez à prier. Seigneur Éternel, mon Dieu, je suis comme Manassé. Seigneur Éternel, mon Dieu, je suis dans les chaînes de malheur. Je suis dans les chaînes de ténèbres. Je suis tout ce que j'entreprends. Rien ne marche. Seigneur Éternel, pitié de moi. Tu m'avais parlé. Seigneur Éternel, mon Dieu, je n'ai pas écouté. Comme Manassé n'a pas écouté. Voilà tout le malheur qui m'est arrivé. Seigneur, pitié de moi. Je t'en supplie. Donne-moi encore. Seigneur Éternel, mon Dieu, une autre grâce, Seigneur. Donne-moi ma femme une autre grâce. Seigneur éternel, mon Dieu, nous revenons à toi avec notre sorcellerie, avec les serpents que nous entretenons dans notre corps, dans notre âme, avec les alliances que nous avons signées, avec les alliances de ténèbres, avec les alliances avec les hôtels de ma famille. Seigneur éternel, mon Dieu, aie pitié de moi. Aie pitié de mon frère et de ma soeur. Aie pitié, Seigneur, de nous. Aie pitié de nous au nom puissant de Jésus. Maintenant, le Seigneur, tu vas continuer cette prière avec le Seigneur dans ta maison. Tu vas dans la journée, partout, même si tu es au travail, tu as été pleurer, tu as été te repentir. Comme Manassé, je ne sais pas comment, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu ce jour-là. Que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit, quel est le mot que Manassé qui a fait des problèmes. Mais aucun d'entre nous n'a fait des choses que Manassé a fait. Aucun d'entre nous n'a sacrifié comme Manassé a sacrifié. Aucun d'entre nous, mais si Dieu l'a écouté, à fléchir les genoux, que ta répatence fléchisse les genoux de l'Éternel. Mais bien aimé, non, Seigneur, remets ta journée entre les mains du Seigneur, partout tu seras. Que le Seigneur soit avec toi, que le Saint-Esprit soit avec toi, que le Saint-Esprit te donne la faveur, la grâce partout où tu vas aller. Recommande ton sort, tous les rendez-vous que tu as, le travail entre les mains du Seigneur, qui te donne la force, qui te donne l'énergie dans ton jeûne, au nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur, Éternel, mon Dieu, nous te confions notre jeûne, fortifie-nous. Seigneur éternel, mon Dieu, donne-nous la force, donne-nous l'énergie, donne-nous la puissance. Seigneur éternel, mon Dieu, qu'au cours de cette journée, que l'esprit de la répatente, Seigneur, nous conduise partout. Seigneur éternel, mon Dieu, sois avec nous à tous les rendez-vous que nous avons aujourd'hui, du travail, de médecin, de quoi, de business, de
du travail, partout, Seigneur, tous les rendez-vous que nous avons même en Internet, en online, Seigneur éternel, les interviews, tout ce que nous avons aujourd'hui, nous remettons entre tes mains. Seigneur, que ta grâce nous accompagne, que ta faveur soit avec nous, que ta faveur soit avec ton peuple. Partout, ils seront maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que tous les démons qui vont les précéder soient liés, enchaînés, tous ceux qui vont posséder nos partenaires, tous les démons qui vont parler à nos partenaires, qui vont nous condamner aujourd'hui. Seigneur éternel, mon Dieu, que ce soit dans les examens que nous avons eu à faire pour nous condamner à l'échec, pour nous condamner à la décision, condamner nos enfants, nous annihilons dans les labos des ténèbres, dans les labos du diable, tous ceux qui sont prévus soient annihilés au nom puissant de Jésus. Demande à Dieu de te donner la provision de cette journée, la provision pour ta famille, pour tes parents, pour tes enfants, au nom puissant de Jésus. Seigneur éternel, donne-nous, moi, la provision spirituelle, physique et matérielle, financière, tout ce que nous avons besoin pour cette journée. Seigneur éternel, pour vivre ton miracle dans cette journée, ta paix dans cette journée. Seigneur, manifeste-toi, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour cette journée merveilleuse. Mais bien une paix de leçons, que le sang te couvre ta famille, couvre ton chemin, partout tu vas aller, là, dans ces rendez-vous-là, envoie seulement le sang, admis que le sang détruise même les COVID-19 dans la vie de tes enfants, au nom puissant de Jésus, dans les bureaux tu vas entrer, dans les offices où tu vas entrer, dans l'hôpital où tu vas aller, que le sang de Jésus te précède là-bas, au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus nous précède, couvre nos vies, couvre nos projets, et que tout ce que nous avons prévu aujourd'hui puisse s'exécuter. Que tes anges campent autour de nous et nous arrachent de tout danger. Campent autour de ton peuple, au nom puissant de Jésus. Je bénis ton peuple, donne la force à ton peuple. Je le bénis ce matin, au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il fasse lui sa face sur vous. Continuons la repentance et nous allons nous retrouver dans les cas du combat spirituel. Aujourd'hui, on ne va pas donner l'enseignement sur on a terminé le fruit de l'esprit, mais nous allons continuer avec les dons de l'esprit prochainement. On va continuer toujours dans l'état de notre prière et le Seigneur va se glorifier à notre journée de combat spirituel, l'école de délivrance à 19h. L'école du combat à 19h. Que l'Éternel vous bénisse. Excellente journée à chacun d'entre vous. Au nom de Jésus, moi et mon épouse, nous vous aimons de l'amour de Christ. Au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen.